Ma main droite est ferme, voire gauche, car trop carrée. Ma main gauche est plus fine, mais beaucoup plus adroite, collant aux formes rondes. Ma droite, même si elle ne fait pas passer l'arme à gauche, n'est pas gauche puisque je suis droitier. J'ai donc la priorité à droite, mais soigne ma gauche pour qu'elle reste droite et ne s'adonne à quelques probables excès sur d'improbables triangles non musicaux. En résumé, quand je caresse, ma main gauche n'est plus droite et ma droite n'est pas gauche. Quand je masse, ma main gauche est à droite et ma droite redouble à gauche. La main, à l'est de ma gauche, agit avec la gouaille d'un gauchiste excédé ou de manière tordue à l'instar d'un anarchiste de droite. Celle qui sert de vis-à-vis à ma droite est aussi insidieuse qu'un programme libéralo-gauchisant ou un budget facture sociale pour la France en bas, juste en bas, première à droite dans la rue. Il m'a semblé de droite et de gauche, grappillant au gré du vent, sans opposition, qu'une droite appuyée côté gauche, avec ou sans gants, c'est compliqué. Alors qu'une gauche, plus à droite qu'avant, n'est qu'une évidence vu son manque de malice, prise en flagrant délit de dérive gauche. Quant à l'insistance que rive droite revancharde sur les graflants de la précarité, elle me rappelle certains partis pris vus à la télé dans rive droite, rive gauche. En conclusion, j'ai comme une envie d'être, au moindre prétexte, un être ambidextre.